Bonjour, bonsoir tout le monde. Bien content de retrouver pour nous porter pour vous toutes les dernières informations sur l'actualité politique. Là, et on le fait encore, merci pour votre présence, merci pour votre patience, merci pour la confiance que vous placez en nous. Équipe là pour toujours qu'on vous informer, pas oublier. Songez, partagez, abonnez à la chaîne Information. Gros réseau, j'aime toujours dire Sophia TV 83. Porte-parole police nationale, la commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, présenté devant la presse lundi 30 décembre 2019, là, Arbi Franz Lako, que force de l'ordre a été arrêté dans la soirée 24 pour l'ouvrir 25 décembre 2019, là, pour détention illégale Zamafé. N'ap dit, arrestation Arbi Franz Lako paraît gênant pour autorité PHTK, d'après déclaration responsable RNDDH, là, Pierre Espérance, qui croit complicité autorité étatique qui ta la cause Arbi Franz Lako détentait matériel de guerre sa yo possédé yon atelier à mairie par contrebande. Responsable RNDDH la félicité la police pour travail ça et bi rete confiant après enquête de CPJ yo li souhaité population informée de toute réalité qui la cause Arbi Lako devenu un élément gênant pour pouvoir en place là. Pierre Espérance pour plus de détails. En pile complicité des autorités et dans PHTK qui fait que les capables rentrer avec toutes armes ça yo dans contrebande et qui fait que li ont atelier et la caili la bonne zame la bonne munition mais nous capable dire que la police a li fait travail li DCPJ fait travail li et nous capable prendre exemple gende l'autre autorité dans l'état des parlementaires ou de l'autre autorité ou qu'après la saline c'est même des CPJ ça qui fait rapport dans la saline les jeunes implication autorité dans l'état dans massacre la saline et c'est même des CPJ qui fait rapport côté que yo joine gagne et un sénateur qui a une relation avec un gros chef gang et etc. Donc moi même au niveau RNDDH nous féliciter la police là pour coup de filet ça et yo fait maintenant. Nous pensons que la police là quand même t'es doué et bail information avec population et ça qui passé dans cadre arrestation ça même si nous connaissons que enquête là continue et gagner t'assembler gagner de l'autre descendre lieu pour faire de l'autre espace que monsieur là qu'on gagne côté li gagne zam. Mais il était doué informer population mais qui s'est passé une enquête et qui l'ouvre etc. Mais on va regarder au niveau et CSPN chaque fois situation ça est présenté les policiers font coup de filet ou qu'on voit secrétaire d'état sécurité publique là c'est lui même qui paraît devant et dans la conférence de presse pour l'annoncer mais ça qui fait c'est pas Wally non mais il fait. Il pas fait ça dans le cas ça parce que le dossier ça son dossier qui est embarrassant. Il est embarrassant pour PHTK. Il est embarrassant pour pouvoir. Non, il n'a pas d'autorisation pour les armes ça dans main. Il les armes fois ça, il a autorisation pour les réparer les armes et la police a dit mais qui quantité d'armes qu'elle est capable de gagner la caille, elle la faire réparation, il a dit il pas capable de gagner plus passer 10 armes. La police a pas trompé d'adresse, la police et DCPJ l'ouvre une enquête sous la cour depuis y a suivi et déplacement ni depuis janvier année ça qu'on y a pas ouais et pour qui ça les finalités et puis pour t'a dit que c'est trompé ou trompé et si on t'est trompé il t'a d'ailleurs enquête là et il ouvre la police a auditionné. Et ça pour la population à éviter, c'est pour ne pas prendre intoxication. DCPJ, depuis plus de 10 années, enquête DCPJ, ils ont toujours fait avec sérénité. Pas de fuite là-dedans. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, dans ces moments côté ils ont dit, mais X, Y qui ont cité, qui a commencé à citer. Ou pas besoin de ça. Ou pour lui, les DCPJ viennent vous rapport à bail paquet. Il n'y a pas de rapport encore, laisse ça, moun a connaît qui ça dans le rapport. Mais même, mais pourquoi pas, ouais, depuis environ 10 ans,
enquêté des CPJ ou a mené enquête et puis des citoyens qui étaient kidnappés au niveau champ de masse jour qui était passé là libérés après un pile négociation d'après Jean-Robert Dorsena qui estimait situation pas facile pour te convaincre ravisser yo et libérer kidnappé yo qui était séquestré niveau village des dieux. Responsable CNDDR là, Jean-Robert Dorsena qui dit vraiment inquiet avec remontée zak kidnapping yo dans pays a mandé autorité yo pour chercher konnen qui ça qui derrière situation ça. N'a pas rappelé toujours selon Jean-Robert Dorsena, situation compliquée et puis mandé l'état réveiller la protéger la vie avec bien citoyen yo en Haïti. Entendez plus explication avec responsable CNDDR là, Jean-Robert Dorsena qui t'a parlé comme ça. Par là on t'y a frappé non nous même dans CNDDR parce que nous trouvons ça dépassé parce que moi parle avec monsieur gagne parle avec moi et gagne négociation nous fait lagué mon yo sans moyen parce que vous connaissez même c'est pas job moi m'a négocier pour monde qui dans pareil yo kidnappé mais ces négociations vous nous recommande car retirer les armes même mon yo pour nous réinsérer yo mais bah la vienne pour on aller là nous pas comprendre et la police a travaillé sur une série de dossiers nous pas veut mélanger la police avec nous mais nous comprendre situation monde qui dans politique yo il faut yo réfléchir en pile parce que ça que se passe pays là son catastrophe et gagne pile monde qui pas comprendre ça. Et avec ça, la police a fait plus, négociation est à l'avancée plus, comme de sa période ça qui s'est passé là, de ça, nous tenons bon point, bon avancée avec monsieur qui gagne des amis dans le meilleur, mais par rapport avec pays local, n'est-ce pas, comme ça, il gagne des amis dans le meilleur, pas le monde vient en vaillant, pourtant, il y a une planification qui a fait, et, ma p'tit bagarre là, gouvernement, il faut la regarder de ça qui s'est gagné là-dedans, parce que tout ce qui est fait là, parce que nous, c'est économique, seulement, non, il y a un coup de bagarre de l'eau, par exemple, on connaît ça arrêté avec la police, donc c'est des dossiers, nous va tenter là-dedans. Nous-mêmes, nous pensons que la police a des CPJ, donc c'est des dossiers. Mm-hmm. Parce que c'est eux-mêmes qui pourraient le toucher, mais c'est le bagage qui a dit, m'a sensibilisé tout le monde qui a attendu, monsieur et tout, qui n'a fait son crime de condamner à perpétuité. C'est pas un bagage chouette qui est lié. Nous pensons lors de la négociation avec nous, nous-mêmes, nous avons essayé de pourrir, mais depuis le dépasser, nous n'avons pas qu'à faire rien pour le monde. Malgré nous parler avec OAD, mais nous n'avons message publiquement pour comprendre ça. Oui, nous parlons avec monsieur, nous parlons avec presque chaque jour. Hier dimanche, ça, nous pas de chômage du tout. Il y a une longue négociation depuis 4h du matin jusqu'à 1h matin là, jusqu'à 1h du matin. Il n'est pas facile du tout. Et il y a pile monde qui relève. Au moins ça dans la marée des ici, les gens ont relève et puis mon a crié dans le téléphone. Au moins ça veut dire. On parle de proches et mon qui d'appel. Proches mon et puis laisse ça ou même pour aller en négociation pour déplacer pour descendre dans village de Dieu. Bon va qui passe. Pour moun yo comprendre ça et n'est pas de bagarre arrivé parce que pas fait en fait et c'est moun nouyé et l'a déplacé pour descendre en bas parfois sans amis pour contacter et pas grand monde qui veut aller avec c'est pas un bagarre qui facile on est nous même dans CNDDR son commission pour la paix nous pas gagne guerre nous pas gagne zame non maintenant nous pas calgouma aucun monde c'est ça nous capable avec moun yo prendre disposition et pour l'état accompagner ça capable accompagner pour retirer zame non main et pas là avec sensibiliser de expliquer aux lois pays à s'allier parce que gros problème là mal ici la justice a dit abdomi hein la fini encore une série de émissions qui parfait le pays pour expliquer mon yo parce que mon yo pense pas gagne la loi en Haïti gagne la loi Gabriel Fortuné qui estimait za kidnapping là c'est faillite l'état qui la cause l'elle considéré police là ak la justice doit impliquer yo à fond pour bataille contre phénomène ça qui depuis quelques temps a taï banda en d'un pays a d'après magistrat za kidnapping lié à des fins politiques et puis rete quoi ensemble dans l'unité c'est tout citoyen qui gain devoir travail dans intérêt yon l'autre pour remonter à ka problème yo entendez yon extrait dans micro Marie Lucie Bonhomme Gabriel Fortuné pour Sofia TV 83 certainement, et que le kidnapping n'a pas fait sa raison, il a fait ce qu'on a cherché. Il n'a pas qu'à venir prendre ni moi-même ni moi-même, parce que ni moi-même ni moi-même, c'est peut-être une grosse goutte d'approche. C'est justement, et que c'est côté des cobs là, il a allé dans le secteur qui est cob, monde qui est cob, qui est capable de déposer de grands rançons, et que c'est là pour y aller. Parce que nous n'a pas fait kidnapping dans le jouet. Depuis le kidnapping, c'est que le gros magasin l'a cherché. Donc le plus souvent, ça l'a cherché à 99%, c'est cob. Donc c'est côté des cobs là pour y aller. Ça, c'est on n'est pas besoin spécialiste pour comprendre ça. Mais qui je comprends,
majorité qui a kidnappé qui fait tout, c'est un seul côté aller, notamment village de Dieu sous bicentenaire. Bon, c'est ça nous dit, et ça c'est ça nous dit, mais justement, c'est bagay qui fait l'objet d'une enquête, puis on t'a connaît. Nous pas qu'à dire que tout son seul côté aller, ou t'es capable d'aller village de Dieu, tandis que cerveau, tandis que entreprise qui est un laboratoire, ok, qui a pensé pour kidnapping, non, et que pas village de Dieu. Donc faut pas comprendre que c'est du fait que je prends mon nom, il y a le gardé mon nom village de Dieu, faut pas penser que tête et sans de contrôle là, moun, tête pensante question de kidnapping, non, il n'est pas obligé dans village de Dieu. Selon toutes les informations, c'est gang et village de Dieu qui commettent des actes de kidnapping. Alors que nous nous pensé avec l'arrestation de Arnel Joseph, l'État est capable de prendre contrôle de la zone Sato pour capable de mettre hors d'état de nuit et les gangs et les armées de la bande d'Arnel Joseph. C'est une rumeur parce que c'est peut-être ça un gang. Et il y a une bagaille que vous remarquez qui a passé dans le pays, ça, c'est que nous avons tendance pour nous confondre gang avec groupe de bandits armés. Groupe de bandits armés, c'est groupe de bandits armés, groupe de bandits armés par gang et gang par groupe de bandits armés. S'ils sont gang liés, donc arrestation. Ok, moun qui tête gang nan, li pas causé en ken amélioration du tout. Et bien c'est ça le docteur qui a toujours dit, oui, que nous pas comprenons. C'est ça que fait. L'arrestation des bandits n'est pas une stratégie de la lutte contre la criminalité. Parce qu'on prend le bon exemple. L'on arrête tête gang nan, ou presque pas foyé du tout, parce que songez que son gang lié, li grand pile moun, et que gang nan sont associations de malfaiteurs qui hiérarchisaient, qui structuraient, qui organisaient. Donc arrestation moun pas grand qu'il n'est pas. Mais même si l'État prend contrôle zone, non, il n'est pas solution à aucun problème. Parce que ce n'est pas contrôle zone pour l'État, non, c'est contrôle tout pays. Pourquoi elle est là, n'a fait un coup de pied dans le département nord-ouest à côté. Agent BLTS, yo, mettez la patte sous 4 jeunes garçons qui te gagné en possession. Yo, yon valait des 11 kilos marijuana à clotte stupéfiant qui interdit dans la loi haïtienne. Entendez plus précision avec le commissaire gouvernement Jean Volney Balamé. Il y a 4 personnes qui ont arrêté là, qui sur les verrous, et qui étaient spécialisés dans la police BLTS, qui ont arrêté eux, et qui ont gagné pour eux dans le paquet entre jeudi et demain, si je veux, parce que le commissaire gouvernement a demandé pour autant de façon pour qu'on fait suite avec le dossier. Mais l'arrestation, ça a rentré dans le cadre des gens, surtout ces gens qui ont des armes illégales, gens qui vendent drogue, gens qui vendent marijuana, gens qui fument marijuana, parce que ça, sont attaques totales. Je n'espère que n'a pas ces moyens sauvés. Et c'est des gens qui ont des informations sur eux, nous avons cherché ou bien nous arrêté dans le cadre d'une opération de routine. Non, il n'y a pas d'opération de routine parce qu'il y a un agent secret. Mm-hmm. La police qui travaille, il y a un agent secret. Parce qu'il y a tout qui travaille, nous avons des informations sur eux. C'est des sites que nous avons déjà, nous avons deux cailles. Mm-hmm. Et nous avons bien pour frapper l'autre encore parce que l'opération n'a pas campé. Et parce que nous voulons que le département nord-ouest libre totalement. Tout le monde qui a fait face à la dent, eh bien, il a fait face à la justice. Mm-hmm. À part et 4 jeunes gars. Nous avons continué l'opération. Nous prenons toutes les petites armes. C'est ça que fait. Nous avons profité de lancer, on appelle. Moi-même, comme commissaire gouvernement, avec toute l'unité dans la police, directeur départemental de la police, Jean-Monnet Sauguis, toutes les qui ont des armes illégales, si vous n'avez pas déclaré, on n'a pas ces points, parce que nous avons en pile d'informations sur un pile côté, c'est ça qui fait que l'opération ça pas campé. Bandit a doué qu'on est que, il y a un choix, soit le pot des armes est venu, soit les. Parce que avant-dernière demeure, bandit a, ou bien c'est prison, ou bien c'est cimetière.